On fera peut-être une petite porte ici pour cheval sortir. À la con. Oui, <pouf. rire> je le gnon. Ça... <aussi. rire> Il repart par là. Le cavalier. C'est noté. Roguelike Dungeon pas fait. Il est au village Brique Rouge. Le fameux Brique Rouge. Brique Rouge. Et donc on a un Roguelike Dungeon juste à côté que j'avais noté. Donc on peut aller le faire. Moi je voyais un peu les murs comme ça, voilà. Est-ce que c'est ok pour vous? Oui. Ça. C'est bon? En vrai oui. Il y a une grosse bébête de mon côté s'il vous plaît. J'ai okay. Base, Nine. Village de départ, village base et village prairie, mais j'ai pas... Ghoul. C'est marqué ghoul. Ah oui ça va, elle est pas très violente. Ok, ok, je suis là, je suis là. Il arrive. Allez, dans la base, sur ma gueule. Ah, dans la base, ah oui. Oh, ça va, c'est rien. Allez, bisous. Et le pire, c'est que j'étais parti m'occuper de la petite, et je reviens, il est sur ma tronche, j'ai fait wow. Mais c'était très RP, hein, parce que dans le jeu, tu courais, et dans le... Et IRL, t'étais soufflé. C'est vrai qu'il y avait un côté très... On était dans l'action, quoi. Ah oui, je t'as déjà fait du JDR, Gigi. Tiens, bah, steak et des patates. Ah oui, c'est ça? Moi, steak patate. Ouais, c'est ça. De ce côté-là, c'est bon. Pour les murs, ouais. Ouais, vas-y. Et du coup, la tour, on l'a fait comme ça aussi ou on l'a fait en briques noires? Attendez, j'arrive. Bah, j'ai peur que ça fasse un peu bizarre si on l'a fait dans une autre matière. On peut la faire en bois. Ouais. Moi, je serais assez chaud pour la faire en bois. Ah ouais, en bois? Tu n'avais pas de la lave ou du feu? Non, ouais, mais au final, non, on s'en sert pas de la lave et du feu. Donc, du coup, ça change l'idée. Parce qu'au début, j'avais dit non parce que je m'attendais à de la lave, mais comme le mode a changé, parce qu'on peut aussi utiliser un bois. Un bois un peu plus clair ou un peu plus foncé hein, pour la tour. Ça se grave pas la stone bricks? Si, mais il faut de la cobblestone et de la cobblestone, on en a pas non plus. Parce qu'on c'est pas un mode pack où tu mines beaucoup, donc. Là pour l'instant, si on veut de la cobblestone, on va. Je pense qu'on prendra moins de temps à aller choper les. Ouvrir les coffres de roguelike qui nous donnent des stacks de. Des stacks de brickstone. Plutôt que... Et puis comme ça, on s'amuse après, avec de la cobble, on a 10 stacks, hein, quand même. Bah du coup, on peut commencer à en faire fondre. Bon pour... début. On peut commencer à en faire fondre pour faire de la stone, déjà. Pour celle qu'on a. Alors, si t'as où des... tu mets tes coffres, tes fours Bah, ouais. Au niveau de la salle des coffres, hein, je pense pas très loin. Hein. On est ils seront collés à la salle des coffres. Ça me plaît pas. Hein? La zone de craft, j'avais mis un panneau zone de craft. Alors, soit dans la zone de craft, soit... Regarde, parce que, en vrai, les murs de Gigic, là... On peut mettre des fours, hein. Là, regarde ici, là. S'il n'y a pas besoin. Mais du coup, les coffres, tu mets où, si tu les mets pas là? Ah, si, si, les coffres, on les laisse ici, là, en face. Mais là, contre ce mur, là. On peut faire une petite rangée de deux ou trois fours, là, et c'est bon. Là. Pas là, du coup, parce que sinon, tu caches ce qu'il y a. Ouais, non, ici, on va pas cacher, mais tu vois, là où il y a le coffre ici. Et la table de craft, là, tu vois, à la place, tu mets les trois, tu mets les fours. Ok. Ou, enfin, non, c'est juste pour savoir, parce que là, what? Du coup, ça fait le cercle. Nourrichine. Bah, alors, putain, ça pour moi, on le laisse ouvert, ça va être à l'intérieur, tu sais, comme ça nous permettra d'accéder directement. Hein. Oh, le steak et patates. Soit l'intérieur, soit l'extérieur. Et au pire, on peut faire la démarcation avec du. C'est trop bien le steak et patates, hein. Refaites du steak et patates, hein. Oh là là, incroyable l'effet de la bouffe. Voilà, comme ça. Ça fait nourishment ouais, pendant 2 minutes 40. Ouais, ça me paraît pas mal. Hein. Ah oui. Et mais du coup, comme vous avez pris, normalement je m'en garde un de côté pour ça. Tiens, je t'en passe un. Moi j'en ai laissé. Non, mais t'inquiète. Tiens, regarde. Il demande pas mal de trucs celui-là, mais il est très bien. Effet très qualitatif. Ah oui, ok, je vois ce que c'est. Ok. Donc le sol. Vous voulez que je fasse quoi pour le sol? Un petit. Parce qu'on parle d'un petit dégradé ou autre. Vous voulez quoi? On prend du dark oak pour que ça reste sombre. Ou du bois brûlé pour faire le dégradé. Il les met j'ai les tout mis là. Je sais pas si je l'ai bien fait. Ça aura donné la place de mettre tous les plats dans les drawers. Hein. Non, mais c'était pour les mettre quelque part. Je réponds les mettre. Oui, il y a un coffre. Ouais. Je sais pas comment la conversation est devenue hyper croisée. Il est là. Eh putain, il faut de la... Il faut une chill touch pour que ça... Si, je crois que c'est ça. Pour la charrette blanche, il y avait quelqu'un qui avait une silk touch. Parce que le bois brûlé, en fait, je crois que je le détruis avec la hache. Pourquoi ouais. On aurait délicatesse, on n'a pas de table d'enchantement fonctionnelle. Il y a quelqu'un qui a réussi à les avoir. Oui. Ah, mais la charrette planque, en fait, il suffit juste de mettre des planches de bois dans un four et ça fait des charrettes planques. C'est bon, vous pouvez mettre beaucoup plus. Il y a 1024 stacks maintenant de terre. Ça ira.
c'est bien ça. Ça devrait aller. Je pense. Ça paraît un peu juste. Ouais, je sais, mais. Avec les. C'est pas. Ça manque un peu. Si vraiment vous jugez, je peux mettre plus. Non, non, c'est bon. Tour, attends. Si, si, c'est bon. Oh, tu as raison. Pardon. Non, bon, non, non, mais c'est bon, c'est bon. J'ai... Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Oh, ça a l'air bien, ton pas. En plus, ton motif est bien. C'est bien. Ah, je préfère. Oh, pardon, respect, ouais. Ouais. La Zalea, mais je me dis, l'Archwood, c'est en gris aussi. On pourrait ajouter des nuances de gris et de vert, justement, ensemble. C'est plus clair autour d'un truc sombre. Moi, je trouve ça pas mal aussi. Oh, il y avait le Spruce Harrington Plank aussi, qui est joli. Ça, je sais pas ce que. Ah oui, c'est ce que j'avais fait. Oui, ça fait ça. Je sais plus comment je l'ai fait. Alors, attends. Bah, je regarde, moi. C'est avec des spruce slabs. C'est juste, c'est 4 bah voilà, slabs. Ça. Regarde, regarde, regarde. Ça, c'est joli, ça. Oh. Ça irait bien avec le vert, peut-être, ouais. Je suis le roi. On dirait le faux roi. Bah, on dirait... Comment ça, le. On dirait que t'es, ah, moi, je suis le faux roi. Comme un gâteau d'anniversaire, genre t'as une couronne sur une couronne. Eh, tu rigoles, tiens, porte cette couronne. Alors, attends, oui. Oh, bah, c'est parfait, il te va parfaitement bien. Je me sens. Avec ses yeux. Oui, avec les yeux, c'est parfait. Le roi cinglé. C'est parfait. Vas-y, donne quoi, tiens, celle-là avec. Attends, d'accord. Du coup, c'est quoi que vous êtes en train de construire là? C'est la tour de magie. Rien du tout, on est en train de regarder les couronnes. Hein. Ah, oui, c'est vrai que ça fait un peu galette des rois, ça aussi. Oui, oui. Oh, je dors avec Darky, c'est mignon. Ouais, t'as vu. Je vais dormir à côté de Jukta. Moi, je dors à l'écart, j'ai pris ma paillasse. Auquel survivaliste. Je te laisse ton hamac, ouais, pour la pas nuit. Besoin, pas besoin d'un lit, moi, une simple pierre me suffit. J'aime la vraie vie, moi, la nature, celle voilà. Qui te prend aux tripes. Qui dit, regarde, ça c'est la vraie vie, moi. C'est pas mal le wack, j'aime bien. Et l'autre que tu voulais, c'était quoi? C'était la acacia, mais peut-être que t'as pas trouvé d'acacia. Alors j'ai une pousse d'acacia. Acacia. Le bois. Oh! J'avoue qu'en plus elles sont en 3D. Ah, elles sont jolies. C'est pas le flax qui te permet de faire du string, justement? Ouais. Mais en français, je sais pas ce que c'est. Le flax. Ouais, c'est celle qui fait de la ficelle. De savoir, hein. Ça doit être du lin. Du lin, alors. Ouais, du lin. J'en ai 4 sur moi. Laine. Il faut que je. Ah, oh, attends, si on a de la laine. Je les plante. Par contre, je t'ai mis ce qu'on a récolté là-haut. Alors, est-ce ah oui, parfait. Parce que le lin, il est là-haut. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose. Oh, j'en ai besoin que de 2, ça tombe bien. Eh bah, le matos, c'est dans l'ancienne base. Hein. Le quoi? Genre tout ce qui est hache, tout ça. Ouais, je crois que ça n'a pas été switch encore. Alors... C'est... Non, pas encore. Ça va venir. Après, un... Je sais pas trop à quel point ça va pousser. Donc... Voilà, alors, il est coloré, il est pas coloré. Il est coloré, mais pas dans la bonne couleur, c'est dommage. Alors ça c'est le flowering. Donc effectivement le flowering, il fait des storage. What là-bas. Non parce qu'il a été bougé. Ok. Ah. Non bah non, il est toujours rose. Mais j'en fais toujours des fleuries. Oui c'est normal, t'as une pousse de fleurie. Non c'est de la normale que j'ai depuis tout à l'heure. Alors, c'est le mode écologique. Oh putain il y a peut-être une. Ah oh, merde, je crois qu'il y a un conflit de mode. Parce que l'azalée d'Ecologics, mais il y a l'azalée de Quark. Les deux sont des azalées, mais ça vient d'un mode différent. Mais quand on le fait pousser avec la poudre d'os, c'est Ecologics qui prend le pas sur Quark. Donc du coup, au pire, je vous propose le saumon. Pourquoi pas, ouais. Regardez, ça fait ça. Ouais. Tenez, un stack. Ouais, c'est joli, hein, ça rend bien. Hein. Allez, go pour le saumon. Un troupeau de saumon. Et regarde, j'ai même des planches. Fleuri. Alors je les trouve très moches. Mais ça, c'est stylé. Ah ok. Moi je trouve ça grave stylé aussi. Ah ouais. Pour un sol c'est peut-être un peu violent. Ah mais pour un sol c'est violent mais. Alors genre pour les murs. Ça pourrait être grave stylé mais je pense que. Enfin en fait ça dépend de ce qu'on veut comme esprit pour la tour en fait. C'est ça. L'esprit de la tour de magie qui va devenir Gilbert Fleurette là. Non mais pas. Après, ça peut être des... C'est la vraie tour de la magie. Et après, vous faites un quart de chaque couleur, genre une planche jaune, une planche bleue, voilà, et on fait un Uno après, chacun dans pourquoi sa pièce. Pas en vrai, je trouve ça marrant. J'ai des, hein.
Non mais j'ai des goûts très kitsch, donc si tu me laisses en liberté... Vas-y, vas-y, sois libre. Mais non, mais moi je trouve ça marrant, ça met de la couleur, ça pétille, ça met de la magie, vas-y, fais n'importe quoi. On fait un truc... Mais en vrai, ouais, parce que je me suis dit... planche à l'extérieur et à l'intérieur, c'est... C'est ça. C'est genre, ça a l'air hyper sombre à l'extérieur. Voir créer pas des biomes, si, il faut les trouver. Trop coloré. J'aime beaucoup l'idée en vrai. Allez, allez, go, go coloris. Ouais, faites-vous plaisir. Parce qu'en fait, il y a tellement de planches de couleurs, du coup, je me dis, autant les exploiter. Oui. Je peux avoir des planches de couleurs. Tiens. Gris bleu. On va mettre du saumon pour l'instant et puis. Le saumon. Saumon. Au fur et à mesure. J'y... quoi, j'y pense. Le saumon. Ouais, bah c'est pas grave. Darky. Les blocs autour. C'est pas du béton blanc. Oh, c'est du quartz. C'est du quartz. Ouais, mais si tu mines leur truc, tu perds ton réputation, mec. J'en ai rien à foutre. Ah putain, c'est dur. Mais oui, c'est du quartz, putain, sa mère, pardon. Non, je pense que ici aussi, la civilisation, elle va passer à un moment. Au pire, on fait exprès de déclencher un raid et on les fait niquer tout le village. Hein. L'inquisition arrive. Bisous. Ouais, les briques sont jolies. On peut faire plein de oh, trucs. Oh, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Oh là, je suis passé. Ouais. T'as cru qu'il y avait pas de toit, ouais. Moi, je pensais que j'arriverais à sauter outre. Eh ben, dis donc, tiens. Ajorax, à plus Jorax. Bon, vous avez des torches? J'en ai pas pris. J'en ai 23. Génial, j'en ai pas. Je crois qu'ils en ont dans les coffres, mais. Mais du coup, là, juste on. On pète les spawners, on détruit les monstres, on vide les coffres, et dans les coffres, il y a de la stone brick. Okay. D'ailleurs, il y a de la stone brick même dans le donjon en fait. On pourrait même péter le donjon. Oui, non, ça, c'est... J'étais en mode est-ce qu'on monte tout en haut et qu'on commence. Oh, c'est quoi ça? Regardez le machin là-bas. Regardez le truc. En face là. Qu'est-ce que c'est que ce bestiau? Bah, on va voir. C'est un ogre. Attendez, c'est moi. Ah non, j'ai plus de flèches. Allez-y. Il lève les bras. Ouf! Heureusement qu'on est dans un tunnel. On n'a pas pris de dégâts. Il m'a donné un cave fragment. Oui, parce qu'au pire, on peut juste miner le donjon, enfin. T'es morte? Non, oh putain. Jurax, il est là? Il est plus là. Mais non. T'es morte? Je vais pas tarder. C'est un spawner de quoi, ça? Hop. Skeleton, ça dégage. C'est dur. Ah non, il est vide. Ah non, il est vide, dommage. Ouais. Wow. Oui. Oh, il oh, y en a un derrière, c'est un démon. Tu brûles, Darky. Ah, c'est super notre combat. C'est vraiment pas. Oh. Oh, c'est joli ça. Tout en bas, oh, c'est peur. Un biome nether. Hein. J'ai pris un screamer. Oh, merci Oni pour la sainte mort. Oh yes. T'as vu, il y a une carotte en pot, il y a du blé en pot, t'es mignon. Oh, ça m'a mis un coup de crise cardiaque. Respire. Merci pour la sainte mort, Oni. Merci beaucoup. Oh, j'étais tellement concentré, je m'attendais tellement pas. Bone Creeper, tu voulais le garder, c'est ça? Non. Oula, oula, what was that? Ah, c'est quoi ces monstres? Il y avait des minutes. Vous avez tous réalisé le truc sauf moi. Ouais, parce que c'était le creeper qui nous a explosé à la tronche. Moi non plus, hein, t'en fais pas. Ah oui. C'est quoi ça? Counter, un creeperling. Il y a un truc qui est protégé par un boss. C'est la terre normale. Ah bon? Ah, on avait déjà eu ça, tu sais, on avait dû trouver un Vex qui brillait. Bah, on en voit un qui brille là-bas au fond. Ah bah voilà. Ah, celui qui brille, c'est le gardien du coffre. Alors je te dis tout de suite, hein, le coffre, c'est un coffre comme les autres, mais il est juste protégé. Parce que nous, on s'attendait à avoir des belles récompenses et tout. Et c'est de la merde. Et alors, après, peut-être, on pourrait essayer de retester et de se dire « Oui, mais pourquoi pas ?» Peut-être. Oh putain, c'est un évocateur. C'est un évoqueur. Ouais, ouais, il vient de faire son... Il brillait, en fait, il m'a... Oh, non, il a envoyé ses vex. Ah, bon bah, je crois qu'on va aller le chercher, Gilbert. Hein. Il est là, je l'ai trouvé. Il est où? Oh, je vais... Ah oui, si je survis. Ouais, il m'a mis un sort de flottage. C'est Rumak the Dark. J'ai tué Rumak the Dark. Je crois. Hein. Ah, le fameux. Ouais. Oh, attends. Tu peux mettre un creeper dans un pot? Ouais, je viens de voir ça. Ouais, c'est énorme. Énorme. Oh, il a défoncé.
J'étais à peu près du micro. Énorme. Il est où tout ce truc The Dark là? Putain. Oh, j'ai trouvé la stone brick. Hey, on en trouve plein, hein, t'inquiète. Bah, moi j'en avais pas jusque là. Mais c'est qu'on n'a pas les mêmes loot. Enfin, c'est la même loot table, mais c'est pas les mêmes loot quand même dans les coffres, donc. Certains ont plus de chance que l'autre. J'ai déjà 4 stacks de stone brick, moi. Ah putain, mais c'est. Je l'ai recalé dedans. C'est que mon premier, moi, tu sais. Ah, je l'ai trouvé! J'ai toujours cet effet. Rumak the Dark. Alors, je vous dis ce qu'il y a dans le Rumak the Dark. Un émeraude, un bambou, mais un seul. Deux lingots de fer, plus deux lingots de fer, deux viandes de zombies, une selle. Et une aile de chauve-souris. J'espère que vous êtes contents. Waouh! Parce que là. Du lourd! Merci! Merci, Oni, encore! La piste, là, du livre. Cartographie table, c'est joli, hein. C'est de toute beauté. C'est joli, hein. C'est des briques du Nether. Non, mais il faut le faire avec l'accent aussi. On prend tout. Le truc du Nether, en plus, pour l'instant. Oui, oui, prends. Voilà, donc là, on a l'escalier qui monte, donc on peut descendre. Il commence à avoir un accent du sud, Caillou. Exactement. Caillou, j'y suis de le sud. J'ai rendu une petite visite à LA. C'est à voir, j'ai récupéré l'accent. Le poisson. Elle a sa manga. Tel vin, le boursin. Caillou, le sud. Tu vois ça, c'est de la merde. Et même Clem, il a répondu. Le ping. C'est un truc d'Enderman, on le garde. J'ai plus de torche, mais je suis content d'avoir ma pelle torche. Vas-y. J'ai 8 stacks de pelle torche. C'est bien, c'est bien. J'en ai combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'es tombé, mais avec un peu de nonchalance. Oh, la cobweb. Putain, elle deux stacks d'or. Oh, bah, fuck. On récupère alors. Ah ouais, la vache. Ouais. L'or de maison du gars. J'ai 4 stacks de lingots d'or. Ça n'a aucun sens. Où ça, Caillou? Là? Sur celui du centre, là, tu double-cliques droit et tout ce qu'il y a déjà, machin, dans ton inventaire, ça va être foutu dans les coffres. Drawer, hein, on a déjà bien le début sûr. Des fondations, c'est pas mal. Bon, alors, oui, Peg. Les coffres, ça oui. Va alors, on a oui, bien les outils, où sont les armes? C'est l'autre côté. Non, 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 je veux que les outils soient à côté des armes. Je vais tout rebouger si tu veux, c'est juste qu'il faut... Alors, les outils... Voilà. Les outils à côté. Ouais. Je veux que les outils soient à côté des armes parce que c'est un truc où... En fait, les gens confondent souvent outils, armes, et on n'est pas toujours sûr, ce qui est normal. Parce qu'il y a des items, on sait pas trop les caler. Donc autant qu'ils soient les uns à côté des autres, comme ça on pourra switcher très rapidement sans que ça pose problème. Et du coup, bah, je fais le mur aussi pour la salle des coffres. Du coup, je le fais aussi en... Ah, il me faut la scoria parce qu'il y a des trucs de torches là qui n'ont pas été changés depuis. C'est bien cette randonnée dans le donjon. On t'entend pas, hein, si jamais tu vois. Ah, oui, j'avais oublié de mettre le micro. RE. Elle a dit sûrement 4 phrases, mais du coup, elle s'est dit, bon, on va dire RE. Bah, tu sais, je me baladais et... T'es mute. Ah, bah RE. RE. Et je vous ai partagé des choses très personnelles. C'est le moment, mais bon, finalement, RE. Tu vois quoi de la rue? La boulangerie était ouverte. Et là... Et là, le boulanger sort son énorme baguette. Je me sauve. Darky. Quoi? En malade avec ce Darky. Je l'entends, je le vis. Des fois, je fais des cauchemars et j'entends Darky. Je fais quoi? Quoi? Il me poursuivra jusqu'à la fin. J'en suis fier. T'as remarqué que si tu sneaks, les arbres, ils se pètent pas en mode écroulage? Ah, je ne savais pas. Merde! Attends, ça va pas les coffres où tu les as mis. Il faudra les reculer de 1, je pense, parce que les drawers, en fait, ils s'arrêtent pas ici, ils s'arrêtent après. Après, on pourra toujours agrandir, hein, mais pour l'instant, on va déjà faire une délimitation ici. Ça peut être extensible. Je vais pas forcément agrandir le truc au max. Ah, oh, c'est beau, hein. Oh, ça prend forme et tout, c'est très satisfaisant. Par contre, il manque des azalées et planques. Vous voulez que j'en reprenne? J'en refarme? Non? Il te manque du saumon! Ah, du saumon? Ouais, il nous en manque. Il a fallu le nom de code, t'as vu, personne n'a réagi, je dis saumon! Ils ont fait ouais, grave, carrément ça, avec les arêtes dedans là, c'est sûr. Philippe qui me parle pas à moi, Philippe qui parle à quelqu'un d'autre, parce que je sais pas. Mais... Je crois qu'il me parle. Fais genre, il est sympa. Il a dit saumon! Ok, c'est à nous. Alors oui, nous en faut. C'est à l'autre! Ah,
On fera peut-être une petite porte ici pour cheval sortir. Cheval à la con. Je le gnon. Il repart par là. Le cavalier. Il est rentré par la réserve. C'est Zorro. Rattrapez-le. Appelez le sergent Garcia. Ça me fait penser au manoir dans Skyrim. Ah, bah c'est bien. Le manoir dans Skyrim. Ah, de Blanche Rive, il veut dire. Bah, ils sont tous pareils, hein, mais ouais. Ça, il y a deux joueurs de Skyrim, on sera pas perdu, parce que moi j'allais faire ouais, grave. Ouais, tu sais, le... Ouais. Non, mais non, parce que les tours, on les met plutôt au centre que sur les coins, mais ouais, sinon, ouais. Ouais. Dans le DLC Hearthfire. 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 T'as une patate chaude dans la bouche, Caillou, je crois. Ah ouais, Skyrim, et du coup, t'as un grand hall rectangulaire, et autour, t'as trois ailes, et tu peux faire soit un truc en mode toit penché, soit un truc avec terrasse. Hearthfire. C'est bon. Vous voulez des torches? On ça tombe bien parce que j'ai une pelle à torche. Attends, c'est pas une pelle à tarte, mais par contre, elle est à torche. C'est éviter l'accident diplomatique. Mais on s'en fout de ta pelle à torche. Fais je dors. Admire ma pelle à torche. Oh, le bruit. Ah, qu'est-ce qu'on laisse serrer au fond de cette boîte. En vrai, là, on peut pas trop chanter les sardines quand même parce que t'es... Ah, c'est peut-être qu'on est serré parce qu'on est des baleines. Ça va, Tommy? Oh, il y a une photo de famille, là. Ça, c'est moi. Vous demandez comment mon cheval a atterri ici? Ah, ah, c'est Ablette. Mec, le projet qu'on fait sur Apéricube avec Ch'tou, on a le même problème parce qu'il y a des chevaux dans la plaine et en fait, les chevaux montent les échafaudages mais sont incapables de les redescendre. Moi, j'avais eu un souci comme ça dans les Sims où il y a un cheval qui s'était téléporté dans un arbre, mais du coup, il faisait un boucan d'enfer, j'ai jamais réussi à le virer. Ah bon? Dans les Sims, il y a ça? Ouais. Trop joli ce petit début de tour là, c'est très beau. Ça sent très bon. Il y a pensé aussi. J'ai eu le truc, je me suis dit, il faut que je finisse cette phrase. Parce qu'en vrai, il y avait vraiment. C'est joli, tu sens très bon. Finis cette phrase. Par contre, j'ai ramené plein d'épandiers. J'ai diamants. Trop de trucs, j'ai trop de merde là dans mon sac. Ouais, bah je remarque. Hein, c'est Peck qui va vous casser la gueule. À force. C'est des Rolex, du coup, t'aimes bien. Tout l'appareil de Raph dans la tour là. Oh, c'est bizarre quand tu m'appelles Raph. Dark. Le gros Raph. Je sais pas ce que ça fait. On a un estomac de rat. Tu Raph là. C'est gentil de penser à mon bidou. Elle m'a bien payé. Non mais ce que je veux dire c'est que même mes potes m'appellent. Ah bon? J'ai beaucoup moins Raph maintenant, c'était quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai que maintenant on m'appelle plus du tout Raph. Il y a Azn. Azn il m'appelle Raph, ouais, c'est vrai. Rafouille plutôt. Oui, Rafouille et Raph, les deux. Rafouille. Je suis Rafouille la fripouille. Enchanté. Oui, bah si tu imagines qu'on me l'a fait énormément. J'imagine. Allez hop, plus. Ah. C'est ça, moi. Bah oui, bah ils sont en train d'être rangés. Ah oui, non, je sais. Je fais l'acteur là, je fais juste. Oh, regarde, je peux pas passer. Okay. Regarde, t'as vu, hein, regarde, moi je fais comme ça, hop là, ils sont passés, putain d'armure de merde. Le mec est contradictoire. Eh, t'as vu, c'est pratique, hein, putain, casse les couilles. De la merde. Vas-y. J'en ai, hein. Elle est posée, hein. Bah, fais de l'éclenche-là, vas-y. Non, mais il est con. Voilà. Casse-la. Putain, arrête. Je vais le faire. Fais-le. Non, j'ai jamais de la vie. Putain, mais... Même pas cap. En vrai, c'est... Je l'ai enlevé à une seconde. Non, mais j'ai fait exprès, j'ai attendu que tu tires, et après j'ai tiré. Juste pour voir ta tronche. Ah bah franchement, j'étais pas bien. Après, moi, j'étais en mode, si elle pète ici, vraiment pas grave. Ok, Tommy. Et là... Non, arrête. Ok. Ok, maintenant. Ok. Là, tu me vois là dans le coin, là, je te vois là. Juste ici, là. Ça fait réfléchir. Tu vas pas faire un plafond en bois? Oh bah oui.
Non mais... Oui. D'accord. Oui. J'accepte. Ça, ça économise. Oui. Est-ce qu'on fait... Pardon oui. Est-ce qu'on ferait... Est-ce qu'on ferait pas... Est-ce qu'on ferait pas des dalles? Oh, ce running gag me fume. J'avais oublié. Tommy, putain. Il te l'a dit en plus, hein. Je comprends pas parce qu'il me dit, il y a marqué... Il y a un loup-garou. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Où ça? Un grand méchant du monde en méchant. Enfin, du grand méchant dans méchant. C'était parfait. Un méchant dans méchant. Il est à l'extérieur. Ah oui. Ah oui. Oh, belle bait. Il est pas dans tes champs. Il a pris mon cheval, le salaud. Ouais. Ah. Une armée de morts-vivants approche depuis l'ouest. Oh non. Elfie. Depuis l'ouest, c'est dans les champs de Gigic. Ouais. On peut le taper, mais lui, non. Préparez-vous à défendre. Par contre, fait chier parce que oui, ça veut dire qu'ils sont côté des villageois. Il faut vite qu'on s'en débarrasse. Comment ça va? Ils sont du côté du village, les monstres. Oui. T'es parti. C'est l'est. Bah, ils sont à l'est, oui. Oui, mais ils viennent de l'ouest. Bah, je sais pas. Je sais pas où vous êtes, hein. Au nord, côté gauche. Moi, je vais m'occuper de la vague du côté gauche. Je vois la deuxième vague, ça y est. Ah oui, ils sont du côté des animaux en fait. Il y a des carpettes du côté des animaux. Oh, je suis tous en train de les saucissonner. Le creeper, butez-le à distance, il y a des enclos. Oh ouais, non. C'est bon, je l'ai tué. C'est bon, on peut. Si ça approche par là, je peux leur niquer la face. Ah, il est là le tank. Ouais, bah il se marre du tank. Et Jig, t'as dit quoi? Qu'il y avait un truc sous... Sous mes animaux, il y a un truc brillant, ouais. Qui est coincé dans une grotte. La guerre! Oh la vache! T'inquiète. Oh le bordel! Voilà, je suis passé ici. Ah merde, mon régénératif est plus là. Vas-y, je suis à la maison. Là, viens dans les coffres. Là, niveau coffre. Il y a plein de plats qui te ramènent, qui te redonnent. Il y en a qui te donnent de la mana, il y en a qui te donnent 90% de. Prends. En plus, le rayon est hyper large. Oh, il brille. Je l'ai trouvé. Tu l'as? Il est où? Sur les arbres. Ok. À droite, j'y vais. Les arbres à droite. Là-bas, voilà. Enfin. Il était sur les hauteurs à gauche. Enfin, si tu te mets en face au village, il était sur les collines à gauche. Encore une là, jamais 203. Non, c'est la quatrième là. Game mode survival, victoire. Mais c'est bon ça, on peut se barrer maintenant. C'est fini ou pas? Bah, j'en sais rien. Moi, pourquoi t'as dit qu'il y avait une nouvelle vague? Non, je sais pas, j'ai dit ça comme ça. Oh, tu me fais peur, mec. C'est marqué victoire, mais bon. Non, c'est bon, je crois qu'on a fini. Et ben voilà, c'est terminé pour Monuction. Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas encore été chercher le boss parce que c'était le grand déménagement. Il y a encore des trucs à faire, mais je pense qu'on les fera un petit peu en off, pareil, sur finaliser un peu, ramener les trucs, peut-être finir la tour, ouais. Et ramener les trucs de magie que je poserai. Donc ça, il est possible que voilà, ce soit fait un petit peu en off et qu'on revienne avec cela terminé. Avec Zoro en fond, c'est très bien. Et ben merci à toutes et à tous d'avoir regardé en tout cas cet épisode encore de Monuction. N'oubliez pas les lives tous les soirs 21h, 22h, on termine vers 2h du matin généralement. Et pour Moduc, c'est le vendredi. Voilà, souvent c'est la date à ne pas rater sur les plannings. Tout est disponible évidemment partout sur nos réseaux sociaux, etc. Vous avez juste à cliquer dans les liens dans la description. Merci à toutes et à tous, des bisous, ciao à tous et à la prochaine. Au revoir. Ah, bye bye.